Tchao, Hassan qui marque un but. Bah voilà, on a quand même réussi à lui marquer deux buts. Tu vois, pour dire qu'il a une équipe de fous. Mon gars, on marque quand même. Hein. Va falloir payer un petit peu plus, mon petit. Va falloir racheter un peu plus de joueurs là. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au lendemain du match contre le machin FC. Contre qui on a gagné 7-0. Qui s'est très 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 bien passé. C'était, bah, vous pouvez aller voir la vidéo, c'était la dernière qui est sortie et tout. Vas-y, va voir, ça fait plaisir. Un bon 7-0, c'est sympa à regarder et tout. T'as vu? Bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour le match contre le SAM machin machin FC de Ligue des Champions. Donc c'est un mec qui a acheté des putains de joueurs, qui a mis du fric en fait dans le jeu. Donc le match va être assez compliqué. Mais bon, donc voilà, hier il était à qualité d'équipe, il était à 90. Quelques jours avant, il était bien plus bas que ça. Il a commencé le jeu le 2 novembre. Et le 2 novembre, depuis ce jour-là, en fait, il a déjà une meilleure équipe que la mienne. Donc, tu vois, la qualité de ses joueurs. Voilà quoi, il a mis du fric dedans. Il est troisième de son classement. Bon, je sais pas comment ça se fait, mais bon. Et il a 12 victoires. Il a encaissé 3 buts, il en a marqué 57. Donc écoute mon pote, comment dire que ce match va être putain de compliqué? Il a carrément acheté le machin du PSG, il a carrément renommé les joueurs, laisse tomber, il a niqué des putains de tokens pour de la merde. Enfin bref, chacun ses choix, aujourd'hui on va jouer donc contre lui, on va se faire dégommer je pense. Ça va être aussi simple que ça. Donc on a quand même un niveau de préparation excellent. Mais on va quand même se faire humilier. Je le sens, c'est sûr. Mais bon, après, se faire humilier par un gars qui paye pour jouer, voilà, c'est pas vraiment une humiliation finalement. Le pauvre, j'ai carrément même pitié pour lui. Quand tu payes sur un jeu pour gagner, c'est à chier, mon gars. T'as pas la fierté de gagner parce que t'as gagné, tu vois, parce que tu t'es bien démerdé. Non, non, tu gagnes juste parce que t'as du fric. Donc écoute, mon frère. Donc on va se ramasser la gueule, mais c'est pas grave. L'important c'est de jouer. Mentalité de l'équipe très offensive. On force les contre-attaques quand même. On a mis le bonus en attaque. Bah tiens, il est présent pour voir son match. Tiens, il a même pris le premium aussi. Comme ça, c'est fait. Style de pressing fort, marquage en individuel. On joue le hors-jeu, histoire de. Bon, la question maintenant, c'est quand est-ce qu'on va se faire déboîter? La question est vite répondue. Donc, 6 minutes, on se prend un but. D'accord. Ah oui, non, mais tu vois la qualité de ces joueurs, s'il te plaît. Il y a quand même quelques tokens là-dedans. Allez, le deuxième but à venir. Et voilà, il est content. Écoute, contre une équipe comme ça, si on marque déjà un but, je serais content, tu vois. Bordel. Ouais, si on marque au moins un but, je serais content. Genre, on l'a fait. Il se la prendra un peu dans le. Wouhou, allez Mappé. Wouhou. Tu vois, d'habitude, c'est quand même moi je défonce les équipes, mais encore moi je paye pas. Tu vois, le seul truc que j'ai payé à la limite c'est le premium. T'sais. Mais bon, après, écoute, si ça peut lui faire plaisir au gamin, j'ai envie de te dire, vas-y, laisse-le payer. Hein, tiens, vas-y, nique des centaines d'euros là-dedans, mon bref. C'est pas mes sous, moi je m'en fous. Et donc je suis pressé quand même de voir le score final. Parce qu'il risque quand même de nous déboîter. Il va nous faire ce qu'on avait fait au Derusif à Muse là. On va se taper un 11-1. Non, un 10-1, pardon. Et voilà, quatrième but. 26e minute, quatrième but. Ouais, ça va se finir en 10-1. Ça va me foutre une claque. Oh là là, ça dégage direct mon équipe là.
Bon, après, je pense que s'il avait pas autant payé, je pense que en fait, je serais en train de le dégommer sur toi, Cersei. Je pense que le 4-0, ce serait pour l'autre camp. Mais bon, c'est le jeu, hein. Il y a ceux qui se démerdent et il y a ceux qui payent. Allez, 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 allez. Plus que 5 minutes avant la fin de la première mi-temps. On a dégagé son corner. Allez, rebonus d'attaque. Voilà, son corner qui est encore dégagé. Et la première mi-temps est terminée. Donc, première mi-temps, on se prend 4-0. Mais écoute, y a rien d'autre à faire qu'attendre que ça passe. C'est simple. Donc, si ça continue comme ça, peut-être que ça va se finir en 8-0. Mais bon, faut voir. Mais comme je l'ai dit, voilà, tant qu'on marque un but. À la limite, ce qui va se passer, c'est que ça va nous foutre deuxième du classement de la Ligue des Champions, mais deuxième du classement, on n'est pas renvoyé, on n'est pas éliminé. Donc bon, écoute, j'en ai rien à foutre. C'est le genre de mec, à un moment, il va se faire éliminer par une équipe toute con, et il va arrêter le jeu, bêtement. Oh, un but d'Hidaya, ben voilà, on a notre but. 4-1 à la 46e minute. On a le but pour l'honneur, tu vois. C'est au moins ça. Le petit but d'Hidaya qui passe bien. Allez, un cinquième but pour lui. 5-1. J'ai envie de remplacer. Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser Popovic. Oh, Hassan qui marque un but. Bah voilà, on a quand même on a quand même réussi à lui marquer deux buts. Tu vois, pour dire qu'il a une équipe de fou. Mon gars, on marque quand même. Hein. Va falloir payer un petit peu plus, mon petit. Va falloir racheter un peu plus de joueurs là. C'est pas assez, mon ref. Oh putain, on a Hassan qui est blessé. Il va falloir remplacer. Hein. Donc on va remplacer Hassan par Tungara. Voilà, et on va avancer. Non, on va l'avancer, j'ai dit. Voilà. Et on met le bonus en attaque. Ahmed Ibarra. Ah, c'est dégagé. Donc 67e, 67e, 5-2. On a quand même réussi à lui mettre deux buts. Et il fait un changement, il est content. Le pire, c'est que même dans ses changements, putain, j'ai regardé ses. Putain, il a, même dans ses changements, il a des putains de joueurs. C'est un truc de niqué, ça. Et je veux même pas savoir combien il a payé, quoi. Et voilà, toi, tu te dégages. Donc voilà, écoute, une équipe comme ça, on a quand même réussi à lui marquer deux buts. J'en voulais qu'un à la base, donc écoute, c'est deux fois mieux, j'ai envie de te dire. Allez, Gunawan qui prépare un centre, qui la passe à Hidaya. Oh, ça a été bloqué, c'est dommage. On aurait peut-être pu lui en mettre un troisième, tiens. Mais c'est récupéré par Jorgensen qui la passe à Ibarra. Silva, Ahmed, Stark. Ah, oh, Hidaya, tu fais chier. Hidaya qui fait le hors-jeu, bordel. On aurait peut-être pu avoir un 5-3 là. Non, parce qu'à la fin, si quand même on lui fout 3 buts, le mec, c'est quand même humiliant pour lui, tu vois. Le pauvre.
D'ici à ce qu'il paye pour rien. Et c'est le FC Plata, mon gars, qu'est-ce que tu crois? Bah allez. Plus que 7 minutes avant la fin. Est-ce que ça va encore marquer ou pas? Allez. On les dégage quand même, ces joueurs. On les dégage quand même. Franchement, quitte à payer, je voudrais que l'équipe adverse se mange un bon 15-0, tu vois. Mais 5-2, mon frère. Si tu payes pour ça, arrête de payer, arrête de jouer, j'ai envie de te dire. Allez, Woodhouse là qui va tenter. Hein. Ouais, voilà, en plus c'est dégagé par Jorgensen. Tu vois? Et en plus, c'est ça, se manger un carton rouge. Ah, dommage, dommage, Stark aurait pu la mettre. Donc voilà, ça finit avec un 5-2. On a perdu, mais pas tant que ça. Écoute, on a mis deux buts contre un mec qui a payé. Donc écoute, c'est toujours ça de bon, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, on va donc terminer deuxième place du classement. Deuxième place du classement de la Ligue des Champions. On n'est pas perdant, en fait, on s'en bat les couilles, j'ai envie de te dire. Donc voilà, on a quand même le but d'Hidaya et d'Hassan. La blessure d'Hassan, malheureusement. Mais voilà, si on arrive à marquer deux buts contre un mec comme ça fait plaisir quand même. Il a beau avoir des putains de joueurs. Donc voilà, à part ça, on se retrouvera donc demain pour un match de ligue. Voilà, donc on est deuxième du classement. Techniquement, le Dynamo Dresden, là, on devrait se les faire assez facilement. Après, on devrait avoir le match retour contre le VVS 4. Qu'on va sûrement battre aussi, encore une fois. Donc, au pire des cas, on terminera peut-être deuxième du classement. Si les autres n'achètent pas de joueurs non plus, ça devrait passer. À part ça, donc, on se retrouvera. Ben, c'est ce soir le match, mais vous le verrez demain. Le match de Ligue contre Elva LFC. Donc, techniquement, ça devrait bien se passer, ça aussi. Ça devrait être. On se vengera pour ce matin, du coup. Donc Elva FC qui sont 8e, qui ont marqué 2 buts et encaissé 8 en 2 matchs. Donc ça fait 4 buts par match. Bah, techniquement ça devrait le faire, écoute. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette défaite. On se retrouve donc demain pour le match de ligue. D'ici là, portez-vous bien. Peace!